Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Parce que moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai mal à cet œil-là, dans mon œil droit. Mais sinon, on va. Transition bâtard. Non, sinon aujourd'hui, on va continuer The Legend of Heroes Tales Cold Steel 2. Dernière fois qu'on s'était laissé, on avait. Tu... On a tué. Ben, pas. On l'a pas tué. Il s'est tué tout seul. Vulcan est mort. Et je sais plus où est-ce qu'on était. Ah oui, on avait fini le ce chapitre-là. Sinon, ouais, comment allez-vous? Comment allez-vous bien? Aucune réponse. Ok, j'ai compris. On est quatre. On est quatre? Où qu'on est quatre? On est censé être trois. On est censé être deux. On est quatre. Il y a deux humains, deux robots. Bref, les jumelles. Ouais. Des bottes. On a des bottes. Ouais, c'est pas tant intéressant. Un C? J'ai eu un C. C'est-à-dire que j'ai fait 0 quête secondaire par une. Oh. Ok. How are you feeling, Valimar? The battle yesterday must have been pretty hard on you. I am fine. The damage to my armor and lost mod have largely recovered. I expect to be in peak condition before our next battle. That's good to hear. Just listening to you talk, you really have changed since we first met. You seem to be talking a little more like a human now. Is that so? That would suggest that my memory is slowly recovering. What's that now? The part of me in which memories are stored appears to be damaged. I have very few memories of the past, such as why I was sealed within the old schoolhouse to begin with. This includes my memories of language. Thus far, I have had to rely on the preset bare minimum of speech functionality. Okay. On t'avait complètement tout oublié, même comment parler. However, thanks in great part to your assistance, my speech functionality is slowly beginning to restore.
restoring stuff. Does that mean that your memories of the past are starting to return too? It is an indistinct memory, as if clouded by white noise. I seem to recall someone burdened by a great sadness, much like yourself. That obvious, huh? I look that burdened to you? Someone died right before my eyes. I was powerless to stop them. But the more I think about it, the more I realize that I might have been able to stop it from happening. No. And that regret's like a thorn stabbing into my heart. T'aurais pas pu sauver Vulcan d'un méca où est-ce que tu sais même pas où l'entrer sans endommager la vie de Vulcan. Donc non, t'aurais pas pu vraiment le sauver. Well, yeah, I guess. Give thought to what you would do differently if confronted by the same situation again. If I can aid you, I... Yeah, you're right. I can't undo the past, but I can at least make sure I don't make the same mistake a second time. Ouais, on va dire. Considering how to do that is the best thing that I can do right now. On va dire qu'ils vont empêcher la mort d'une autre personne. Thanks, Valimar. I feel a little better after talking to you. Then all is well. I am afraid I must... Il est même pas capable de sauver sa sœur, disons. Should you require my aid again, you need only to call my name. I need to keep on getting stronger. Strong enough that I can protect the people around me. Je dois farmer assez pour devenir assez fort. This is probably almost done now. Maybe I should take a nap or something while I wait for the others to get here. Yes, this is Reen Schwarzer speaking. Hey there, Reen. George here. Do you have a minute? George, is something wrong? Well, I'm over at the Ruhr Institute of Technology at the moment, and an acquaintance of mine here has a pretty interesting proposal regarding your Divine Knight. How soon do you think you can come over? A proposal? Who is this acquaintance of yours? Well, it's the Institute's president, actually. Professor Schmidt, the Empire's foremost orbital researcher. Alors les deux. Là, c'est normal. Je m'inquiète à chaque fois que le je m'inquiète pas que le chiffre descend. Non, je m'inquiète que le chiffre monte. Parce que si on commence à avoir... Ce qui est quand même paradoxal. Pour moi. Plus que de monde, plus j'aurai l'impression que je vais stresser. Parce que plus que je vais penser qu'il faut que je réponde à... T'as même pas de voix. Il faut que je réponde à la l'expectation du monde. Mais bon, faut pas que je stresse là-dessus. Faut juste que je sois moi-même. Et il faut que je cherche à parler aussi. Parce que si je sais pas parler, on a un problème. Tu dois que mon... Ma difficulté à bien articuler certains mots, même certains plusieurs mots. Donc c'est pas simple. En plus que mettons, si vous voulez me faire répéter, vous avez genre 30 secondes de décalage comparé à moi qui parle et vous qui écoutez. Entre, faut dire. Et je suis pas du tout en train d'écouter l'histoire. So bold as to offer a word of advice. Get Valimar a better sword, one like yours. If you think you're such hot stuff you can beat me without your Eight Leaves training, you're in for a world of hurt. Correct choice of armaments is indeed paramount.
Selecting one the Awakener is well suited to will increase combat efficiency exponentially. Pardon, monsieur abonné à ta chaîne YouTube, je me suis maté à la fois et on parlait de Shaky. Oh my god, non. Attends. Je vais aller à Valéon. Mettre à jour. Non, pas celle-là. Celle-là. Ben, va les mettre à jour l'épisode. Non, on l'avait mis, ok. J'ai déjà mis. L'épisode final de Danganronpa, ok. Ça va. Il me fait penser à. Tu sais, on parlait de Château de Tabouillon, je sais. Mais ça, c'est pas la fin. Et aussi parce que je savais pas si j'avais mis la vidéo en public. Oui, je sais pas pourquoi j'attends une semaine avant de mettre entre la rediffusion, ben, entre le fait que je stream et la rediff. T'achètes ton pélo. Chut. Caméra est là. Pas là. Là. Bref, tu me fais penser à. Tantôt, genre, j'ai mis. Ouais, je suis rendu à 6 abonnés maintenant. Yay! J'en ai 1000. J'ai 1000 abonnés si je veux être payé sur YouTube. Avec un visionnage de 1000 heures. Mais ça, ouais. Ça. Tu me fais penser que tantôt. J'avais publié, tantôt hier, j'avais publié la vidéo de l'épisode 11 de The Legend of Hero. Je reprends un cours samedi. Yeah. Bref, je vais revenir sur son histoire. J'ai eu un commentaire sur ma dernière vidéo sur YouTube. Puis le gars, il dit « Ah, je vais donner un pouce bleu puis je vais m'abonner si... » il y a grâce à un tel gars qui soutient les petits youtubeurs. Va écrire dans son commentaire sur sa dernière vidéo pour qu'il te donne des trucs. Moi, je suis comme... Je suis un youtubeur? Non. Je suis un streamer. Non, pas envie, salut. Moi, je réponds comme « Ah, ben merci bien, mais je suis un streamer, pas un youtubeur. Je mets juste mes rediffusions. » Littéralement, dans chaque vidéo, il est écrit « Rediffusion, titre. » Il n'y a pas plus clair que ça. Ouais, sinon, ouais, lundi, tu reprends les cours à Sandy. As-tu des cours de jour, de soir, ou... Je suis un chômeur, mais pas trop. Seulement. Enfin, le dit. De toute façon, si tu veux voir Komaru se faire tripoter, c'est pas lundi qu'on va le faire. L'après-midi, mais j'ai des horaires cool en fin de matin. Ah. Ben, si c'est ton après-midi. Ah, ok, si c'est ton horaire de matin, tu dois coucher plus tôt, ouais, j'avoue. Ah, c'est fun d'avoir fini les cours. Que récemment. Tu veux mon horaire? Envoie-moi-le en public, en privé, vous voyez, si tu veux. Oh. Ah.
Au pire, ce que je peux faire, ce que je peux regarder, c'est quand... je peux regarder un let's play de mon personnage juste pour voir c'est quand le train. Parce que la seule chose, je me souviens qu'il y a un train, puis c'est ça. Après ça, on va timer ça pour que ça soit un mardi. Ou à un autre moment que tu peux venir. Oh, c'est cool en vrai. Je regarde ça. Envoie le jus, envoie le jus. Bon. Je vais pas le dire à votre au cas où. Ah, quand même. Ça veut dire que les mardis, ça veut dire que les fins de semaine tu peux être là, ça veut dire. Considérant que les lundis tu dois te coucher tôt, donc tu seras pas là. Les mercredis non plus. Ouais. Non, faut. Mercredi t'as rien. Jeudi, oh, c'est quand même tard. Le mardi, si t'as pas trop de devoirs, tu peux être là. Yes! Ouais, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment... Ok, t'as des cours à chaque jour. À part le mercredi. Moi, j'ai de la chance. Moi, mes cours, c'était... J'ai un cours de la journée. Ah, oh, c'était chiant. Non, oui. C'est seulement oui. Ben, j'ai dit oui. Je connais pas c'est quoi le système d'horaire en France. Surtout, je sais pas dans quel. Dis-le pas, mais je sais pas dans quel niveau d'études que t'es en ce moment. Mais si tu dis genre. Enfin, déjà, je lui. Je suis le genre d'élève qui fait jamais ses devoirs que ça élimine un truc. Peut-être enlever l'autocorrecteur. Ouais, j'ai réussi à te lire. Récemment, j'ai remarqué, moi, quand j'utilisais l'autocorrecteur, je faisais plus de fautes avec l'autocorrecteur que ça. On me comprenait à moitié pas, mais... Ouais, mais même si tu fais pas tes devoirs, si c'est un devoir obligatoire, c'est un devoir obligatoire. Je ferais un punishment.
Non, en vrai, je serais, mais genre moins qu'avant, à passer un confinement hard. Ouais. Phantom Thief. Aiden Garde. C'est vrai qu'un confinement en France, ça me déplairait pas. Moi non plus, ça me déplairait pas partout où je voudrais qu'un confinement global existerait. Que ça finisse complètement. Parce que je suis désolé. Ok. Juste pour te dire, j'ai pas le câble. J'ai pas la télévision chez nous. Chez moi. Non, les seules informations que j'ai à propos de COVID, c'est mon coloc avec son travail, là. Dont il parle avec ses collègues. Donc, je peux pas trop savoir combien de cas il y a par-ci, par-là. Mais disons, j'ai entendu que... Ah, il y a encore des cas qui se faisaient, la troisième vague qui se faisait encore. Non, j'ai pas de TV. Parce que ça sert à rien. On a internet! Je suis sérieux avec ça. Pourquoi faire quand tu en as? Tiens, quand t'as un PC justement. Il y a un truc qui s'appelle YouTube. Dailymotion, pareil. Ouais, il y a un virus mutant qui, lui aussi, a envie de se faire entendre. Je pense qu'il fait trop entendre, en fait. On a aussi Netflix. J'ai pas Netflix, malheureusement. Parce que le nombre de fois que j'irai dessus, c'est... deux fois par an. Bref. Oui, un site d'information qui s'appelle Rooted for. Ouais, centre de recherche. Pas un site d'information, un site de recherche. Pas pareil. Qui on peut faire croire ça? Mais parlons-en. Qui peut s'informer sur plein de choses aussi. Oui. Si. Sauf que ça t'informe pas comment trouver l'amour. À part si t'es un ugly bastard. Là, oui. Non, ça c'est l'endai, pas pareil. J'aurais me mélanger. Je l'ai déjà trouvé sur Danganronpa. Ah ben moi aussi, mais...
cherche mon le deuxième amour. Un peu un harem quand même. Je vais avoir Shaki. Puis quelqu'un d'autre. Qui ressemble à Shaki. Diversion to spice up your mundane day-to-day lives a little. I hope you'll enjoy this little experiment. I know I'll be here. Si, il y a Shaki, puis Shaki 2.0. Parfait. Now, let the game begin. De toute façon, en ce temps de virus, chercher l'amour vrai, pas vrai, en personne, c'est pas très conseillé, non. Shaki 2.0 qui serait jump peut-être. Qui serait jump bidder qu'il a tenté? Jamais. Nah, c'est sûr. Donc des fois, faut... Si t'es pas capable d'avoir la vraie, faut t'aider une contrefaçon. Ben, ok, la contrefaçon s'appelle un body pillow. Des figurines. Sauf que ça coûte l'argent. Non, en fait, non, j'ai rien dit, ça coûte autant de l'argent l'un pour l'autre. Moi, j'ai déjà ma deuxième waifu de Dragon Oompa. Quoi, Komaro? Mais je préfère l'argent de ma Shaki. Non, mais Shaki, on va leur dire, on va toujours leur dire, et on leur dira toujours. Shaki, tu peux pas battre ça. Si tu me donnes une waifu, puis je te dis, ça bat Shaki, t'es moins une balle dans la tête. J'ai pas écouté Darling into Friends. Darling into Friends. Darling, bref. Zero Two, ouais, non. Disons, je suis plus équipe amis d'enfance. Dans la majorité des trucs. Puis, ouais, non. Zero Two, non. Faut admettre que Sakura Best Waifu en vrai. Et... Sido. Attends. Attends, fou. Comment il s'appelle déjà Sido Shesto? Anime. Allez, Google. Voilà. Ça, c'est le parfait concurrent pour Sakura. Macho. Il s'appelle vraiment Macho. bref. Pas ça. A crash? Quand j'ai crash? Non? Ouais? Trop de muscles? Ça fait planter? Ouais? Non, j'ai crash. Ah merde, t'as manqué les muscles. Bon ben, pas de muscles pour toi.
Ça départage les idées à la première personne. Ok. But cultural event that happened, you went from after you went your separate way from the bridge. Genre assez fonctionné en gros, cerveau craché. Ok. C'est la première fois que je vois l'utilisation des parenthèses comme ça. Normalement moi qui fais des parenthèses, c'est genre quand j'écris parenthèse pour des. Je réfléchis à ça, genre parenthèse, rajouter des informations, mais. Oui, je suis chelou, je trouve ça cool. Ah non, non, non. Tout le monde est chelou dans la vie, hein. Tout le monde a son petit truc bizarre. Quasi unique. Il y en a qui ont pas de tact, il y en a qui savent pas parler, il y en a qui font des trucs. Puis il y a nous qui adorent les shaki. Ok. Ça m'a pris 5 secondes à réfléchir. Mais j'ai compris. Nous qui sommes des suprémacistes Shaki. Yes! Non mais sérieusement, il y a des Discord. Juste, tu regardes Shaki Nanami Discord. Puis il y a un des premiers trucs qui apparaît, c'est genre culte. Nous vaincrons les autres concurrents. Nous allons tous les convertir. Ah non, ils sont déjà convertis. Normalement, quand on vainc quelqu'un, c'est pour les convertir, mais ils sont déjà convertis. Legend of Hero Tolko Steel 2 Phantom of TP Quest. Ok. Wait. C'est ça? C'est bon ça? Non. Du coup, j'ai rejoint Discord où il y a un bot qui invoque des waifus, j'ai comme invoqué Shaki. Du coup, vu que je les ai pris, ça veut dire que je les lock que pour moi. Yeah. Okay, non, moi ce que je veux savoir, c'est Phantom Thief, c'est la quest. Ouais, ok. Partage un peu. Sont un peu communistes, s'il vous plaît. la quest. Eh où la quest?
Ctrl F, fan, voilà. The sweetest of the cheat challenge. Il faut que j'écoute tout le monde puis que j'ai choisi Machias. Non, Machias, c'est le traître. Oui, t'adores cet emote. Cet emote veut dire que tu fais du sarcasme. Donc, tu l'utilises trop. Oui, sérieusement, pour t'aider pour les emotes, carrément Twitch fait pour les streamers. Si, je vais le montrer. C'est Internet. Carrément ici, genre, il t'a dit genre introduire les émoticônes. Puis genre, il te reste bien genre Kappa, humour sarcastique ou ironique. Kappa est notre émoticône caractéristique. Donc quand tu utilises ça, ça dit soit t'es ironique ou sarcastique. Donc ça m'aide beaucoup à dire oui, ok, c'est ça. Et cette montre est une montre qui prend des gens pour des cons. Bref. C'est quoi le but de la grande Oompa? Survivre? Ah, désolé, V3, oui, prendre le monde pour des cons. Comme le nom le dit, Cool Story. Mais c'est Kappa, mais pas Kappa. Ah, c'est Bob. Okay. Cool Story Bob, c'est comme. Allô? Ça va? J'ai fait en mode cruise, mais bon. Bref, on sait si Joe c'est. Machias, on skip. Genre, ouais, mec, on se calme, on est chill. Ouais, non. Ta vie, oui.
On skip ça parce que c'est pas important, ma caisse. Friends, a fine deduction if I say so myself. You are correct. I am Phantom Thief B. J'adore sa voix. Ça te fait rire, oui. To meeting you again on a new stage one day. Ouais, disons que ce gars-là est un peu cinglé. Pas con, oui, tu peux le dire. Non, il est pas con, il est cinglé. Il est un petit peu fou. Hey, il est un peu fou, mais moi, il se bat bien, au moins. Très cancer à affronter, mais... Il se bat bien. Ouh! On a une cape. Junko, oui, à mon avis. Non, il est pas du genre à dire désespoir, il fait juste... Blais. Puis, tu prends la cape. Voilà. 60% d'esquiver. J'ai même pas fini d'explorer. On s'en fout. La salle d'entraînement, oui. Ok. Oh, un Teddy. OK,
Okay, let's give this a try. Wow, people can not what I had in mind. Sure, I'd love to. Okay, let's give this a try. Sure, I'd love to. I could certainly use the practice. I'm proud. Well, if I must. Cuisinant. Ah. Ok. Cuisinant, mais rien parce qu'on l'avait déjà. It's Fee's cooking power hour. This one's my specialty. Ah, des super body. Oh, fuck off. Faire un dark emblem, avoir le speed surtout. Crescent mirror, ça pourrait servir, mais 15, bon, c'est pas gros. Maintenant, faut bien, non merci. Cross Crusade, très bon. Pas assez de matériel pour faire quoi que ce soit. Maestrom, pas assez, non. J'adore que genre, les buffs donnent beaucoup plus de stats intéressantes que les non-buffs. Bref, les armes. J'ai pas de truc, ok. J'ai pas d'argent. Tout va bien. Bon, j'ai rien eu d'autre. Bon, je pense qu'on peut aller faire les quests, les quêtes optionnelles et en même temps faire et on va aller skier aussi, plutôt faire du snowboard. You cannot fly to four spirit shrine. Donc on peut carrément se téléporter directement au shrine. Ok. Notez que l'histoire va avancer au moment que vous allez compléter un seul de ces shrines.
Un seul. Leave it to me. Ok. Bon, être sûr qu'on manque pas de quest. Okay, disons que c'est assez facile de manquer des quests. Je suis même pas censé faire le... Je suis même pas censé skip les dialogues. Je suis censé les écouter attentivement. Puis m'endormir par-dessus. Mais bref. Ouais. Allons faire du ski. B3, voilà, faut que j'aille 22 sur 22. Et voilà, yay, l'enthousiasme. Il n'y a pas d'enthousiasme. Enchantment. Rain, c'est faire du ski sur un snowboard. Bon, qu'est-ce que j'ai eu là? Green Butterfly, Cross Crusade, Phantom. S'il vous plaît. Comment ça va bien? J'ai mal à l'œil depuis genre 3 jours. C'est pas une infection, mais on dirait que oui. Sinon, j'ai de la misère à dormir. Bref. Sinon, toi, comment ça va et tout? On t'a pas entendu parler récemment. Hier, t'étais pas là. Avant hier, je pense que t'étais pas là. Tu vas bien? Ok. T'étais là hier. T'étais là, mais je t'ai pas vraiment vu parler. Je n'ai pas parlé, c'est pour ça. Hier, Maya, me suis battu avec Shaki. Ah, c'est vrai, tu étais battu, hier, Maya. Vous êtes battu entre tuer plutôt, entre savoir qui. Ouais, c'est vrai, parce que j'ai racheté mes. J'ai acheté Ibuki lundi, c'est vrai. Hey, en ce temps de confinement, la notion du temps n'existe plus. Non, pardonne-moi pour avoir oublié lundi.
poisson. Pas poisson. Bon. C'est vraiment de plus en plus compliqué de chercher des quests optionnels, sérieusement. Puisque littéralement la map au complet est à découverte, mais tu peux y aller, vous voyez. Mais tu peux pas savoir son où. Moi, ce que j'ai compris, l'école va recommencer dans pas long pour certains. Si j'ai bien entendu. Comme que j'entends bien ce train qui arrive. This spot looks perfect for fishing. Lundi prochain. J'avoue que ouais, la semaine du temps. La semaine du quoi déjà? La semaine du... ouais, du 4, ok, c'est normal. Ça, c'était qu'à ce moment-là, je dois commencer à me trouver une job. Une vraie job. Fuck. Ouais, ben... il faut que je me trouve un travail, disons. Pas vivre avec Twitch qui me donne pas d'argent. Ni YouTube. On va dire que je vais sûrement travailler genre temporaire, genre 20 heures semaine. Au moins dès que je suis capable de payer mon épicerie puis mon appart. Il va falloir juste que. Le problème que... il y a un problème si je cherche un travail, c'est que ça va... comment dire... pas s'empiler, mais... quoi j'ai le mot? Embarquer? Le fait que ça va juste dire... Je vais plus faire de stream à un certain temps. Bref. Parce que maintenant, si je travaille de nuit, ou de soir plutôt, comme mon coloc me propose, ben disons que l'horaire va être très différent. Vu que son horaire à lui, c'est. Il commence à 3, ou plutôt il commence à 4. Et. Il continue jusqu'à... il fait les 10 heures par jour. Donc il finit genre... il arrive ici à 2 heures. C'est comme ok, donc... puis après ça, il se couche genre... il se couche jusqu'à 1 heure l'après-midi, c'est comme... puis après ça, il recommence à 3 heures, c'est comme... ouais... c'est-à-dire que si je veux travailler à sa place... ça voudrait dire que je dois stream le matin ou est-ce que je suis à moitié mort? Peut-être pas. Full speed ahead. Peut-être pas une bonne idée, disons. Mais si je trouve un travail de jour, voilà que si je travaille de jour. Ça veut dire que les mardis vont disparaître. Alors qu'ils étaient déjà là de base, mais je les ai enlevés à cause de mes cours. Là, je les ai remis. Donc, s'ils disparaissent. Et ça reste compliqué. Mais mettons, si je travaille de jour, mais je pourrais travailler de jour, de soir, jusqu'à soir. Je pourrais travailler, alors, mettons, de 1h de l'après-midi à 9h du soir.
Bah ça change beaucoup, vu que ça veut dire que si c'est 1 à 9, au final pourquoi travailler dans la vie? Parce que la vie, parce que on est rendu obligé de travailler dans la vie. Ouais, désolé de travailler avec une gifle, mais c'est ça la vie, t'es obligé de travailler pour vivre. Parce que tout coûte l'argent. Tout. This spot looks perfect for fishing. Puis aussi parce que si... Ça c'est un truc que je déteste. Le confinement, je l'ai bien vécu sans travailler perso. T'as pas 14 ans? Non, j'avoue, tu pourrais travailler au McDo. Moi, j'ai très bien, j'ai bien eu aussi le confinement. J'étais étudiant. Donc, pas plus confiné que ça. Where do you want to go? Leave it to me. Bref, en même temps, je fais du 1-9. Le problème, c'est que... Si je fais du 1-9, ça veut dire que je stream... vais partir mes streams assez tard. J'ai 14 ans, mais c'est un détail. Tout le monde peut travailler au McDo. Tout le monde, sans exception. Je pense pas qu'une quoi c'est ici. C'est ça que je cherchais le mot tantôt. Le problème est qu'ils auraient ça. Si je cherche un travail, j'ai peur que ça piétine mon horaire. Que ça fait que ça soit que sur le fait ben, que le travail va être en même temps que mes streams. Ou juste que j'aurai plus d'énergie pour les streams. Parce que moi, je me suis toujours dit, je me le suis dit cet été que j'ai commencé à stream. Twitch va devenir mon travail dans le futur. Ok, oui, c'est vrai, j'ai commencé un peu tard, mais j'aurais pu commencer plus tôt, mais je n'aurais pas pu. Mais je veux dire, j'ai 21 ans, j'apprends encore. Je suis vieux pour la game, j'ai une barbe. Oui, la barbe change beaucoup de trucs. Hein. Le monde aime les barbes ou non. Soit c'est barbichette, soit t'as pas de barbe. J'ai vu zéro streamer avec des barbes. Et non. Where do you want to go? Donc évidemment. Il y a quand même un truc qui me déplaît quand même. Moi, ça commence à former un truc, la barbe. Ouais, ben 14 ans, c'est ça, là. C'est normal. Disons que j'ai pas la barbe qui fait genre 3. Disons que ma barbe fait pas 6 cm, mais elle en fait même pas. Elle en fait juste 2, mais. 2 ans, je suis comme toi. Ouais, je me rappelle déjà même plus quand la dernière fois je me suis rasé.
Sûrement en même temps que mes cheveux. Non, faux. Faux. Je pense que je me rase à chaque 3 mois avec un rasoir électrique parce que je frise trop de la barbe. Puis fais attention avec ta barbe parce que t'en rendras peut-être pas compte, mais la barbe ça pousse partout. Quand je dis partout, c'est genre là. Genre juste en dessous des yeux. Je comprends pas pourquoi. Là, je jongle entre les streams du téléphone. Comment oses-tu? Qui a de la barbe? T'as un bon petit singe, ouais. On parlait de barbe, on sait. On parlait de que. On voyait pas beaucoup de monde qui streamait avec des barbes. Puis on parlait de barbe. Ouais. Lui a la barbe. Shut the fuck up. Arrête de fa... À chaque fois... Putain, t'as eu mon couteau. À chaque fois... Tu rentres le couteau plus profond dans la plaie. Arrête. Il est différent, il est spécial. On le martyrise pas. Il est jeune, il ne peut pas comprendre. Dans le canon par 4 et Bouygues. Shut the fuck up! aucun des personnages vont revenir. Aucun! Ouais, bref, ce que je t'en ai dit, ouais. Sauf que je trouve une job. J'espère que ça va pas empiéter dans mon aura de stream. Puis, le fait que je veux que Twitch devienne ma principale source de revenus, mais... Donc, avant que j'aille mes travaux de fin de session, j'avais un follower... Littéralement, à chaque 2 semaines, j'avais un follower. Un follower qui revient plus, évidemment. Disons que je veux pas aller à la version genre triche, genre je veux pas. De quoi j'ai pas compris? On parlait de moi qui veut qui doit trouver un travail mais qui veut que Twitch devienne ma source principale de revenus. C'était vraiment de ça qu'on parlait. Et c'est ça. Le problème, c'est que... pour avoir des revenus, faut quand même que t'ailles du monde, faut quand même que... Au moins être minimalement affilié. Parce que j'ai zéro revenu d'argent en ce moment. J'ai plus de pré-bourse. Tu peux aller faire un tour à Pôle emploi? Non. Tu peux pas, ok.
Et ça, pour continuer, pour avoir des followers, sauf que je veux pas tricher non plus. Je veux pas dire, hey, connaissez-vous du monde juste pour me soutenir, c'est comme non. Ok, j'avoue que les combien à followers là, 22. J'avoue qu'on a 20 followers qui sont jamais là. Donc, dont 10 ou 8 qui sont mes amis, mes connaissances. Mais, attends, je vais voir ça. Combien d'achievements? Combien d'achievements? Parce que c'est la seule chose que j'ai besoin d'avoir, c'est la moyenne et un nombre de followers. Puis oui, ok, je dirais que c'est triché, genre. Après un demi-mois déjà affilié, alors qu'il y en a plusieurs qui prennent plusieurs années. En soi, déjà, faudrait mettre ton Discord en avant, je pense, déjà. Avec le nom le plus simple, je dirais. Kenitruc aussi. Ah, mais Kenitruc, c'est mon coloc. Puis lui, j'y demande de venir. C'est il est spécial, lui. Sinon, il y a Aouk, Alex, ou est-ce que j'ai. Il vient seulement quand je le tag. Parce que Kenitruc, en tant que tel, il est là. Il est là que pour me soutenir, mais il est. Pas toujours là, limite à prise d'otage, oui. My turn. Il est pas là souvent quand il truc vu que normalement il travaille. Il travaille normalement toujours en même temps que je pars en stream. Je pense qu'il y a 21 personnes qui viennent pas. T'as oublié Itsu, je pense. Tu veux la guerre ou quoi? Mais bref. Pour dire que je veux pas non plus. Je veux pas tricher pour avoir des followers. C'est vrai que Itsu. Je fais toujours me poser la question de. Pourquoi? Ça, c'est la question bizarre que je me pose. C'est comme. Pourquoi tu me regardes? Je suis un gars random qui fait des commentaires bâtard. Il est même pas capable d'avoir une luminosité correcte à cause de son. À cause de fucking lumière. Ça vient de scrap la lumière, c'est ça? Ouais. Et on se parle, des fois par réflexe, je parle dans le lousse de sujets qui m'entend, mais. Ouais, c'est vrai que Shaki, tu triches un peu en tant qu'actif. Attends. Parce que tu as 957 messages. Alors que Itsu, ouais, t'as 535. Toi, tu triches, Shaki, parce que tu fais beaucoup de petits messages. Ok, en termes. Ça, c'est un truc que je te pose la question. C'est. Qu'est-ce qui fait que le monde décide de rester? Ok, toi, Shiaki, parce que tu sais que je suis un adorateur de Shiaki. Donc, tu dis ok, nice, je peux te regarder. Mais Itsu. Toi, Itsu, toi, tu m'inquiètes vraiment pour dire pourquoi tu me regardes? Bref. Bon, en une minute, t'envoies 10 messages, oui, j'avoue. Surtout qu'il a écrit quoi, 500 messages la première fois qu'il est arrivé, Shaki. Est-ce qu'il y a écrit il y a 2 minutes? Il a écrit « Emote ».
Plein de détails. Faut pas faire une gamme non plus, les gars. Ou les filles. Faut pas faire une gaffe, personne, voilà. Mais ça me reste quand même une question pour dire comment est-ce que... Ouais, t'avais pas l'académie qui va... Eh, hey, j'étais en train de parler de waifu, moi j'arrive. Fais genre. Waifu. Eh, hey, qu'est-ce que tu veux dise? Ça sent plus là. Non. Ah, pourquoi quand je fais ça, caméra? T'avais qu'à changer de. Attends, mon profil Twitch, c'est quoi déjà mon image? Non, ça c'est mon image, j'utilise cette image partout. À part Discord, mais... All right, let's do this. Leave it to me. Very well. J'utilise partout cette image de profil. Tu vas sur ma mailing list, tu vas sur. Qui est peut-être pas Facebook. Je pense mon YouTube aussi, c'est ça. Mon Twitter, c'est ça. Putain, j'ai aidé partout avec un capa merde. Let's keep going. Bref. Caméra! Putain! Non, là c'est flou. Est-ce que je suis noir? Oui, je suis noir. Ah, fais chier. Ok. Non mais sérieux, Itsu, peux-tu me dire la raison numéro 1 pourquoi tu me regardes? Ou dis une raison bâtard, je vais croire à n'importe quoi. Non, c'est rien que... Bah c'est classique. C'est une très bonne raison de ne pas savoir pourquoi tu regardes quelqu'un. Vu qu'en tant que tel, c'est ça la vie, en fait. Bon, c'est ça, mais je pense que c'est comme ça que ça marche. Tu regardes une personne, tu sais pas pourquoi, tu fais genre... Il parle, il joue. parce qu'il voulait te corrompre pour rejoindre les fans de Ibuki. Nah. Ce qui veut dire que non que moi je regarde une personne, son humour c'est comme normalement je dirais non, mais comme il parle tellement toxique de tout qu'elle est drôle. By the way, bonne année. C'est pas encore la bonne année, c'est demain. Alors, bonne année d'avance parce qu'on ne verra pas lundi, mais on pourra se parler sur Discord. Juste pour des bonnes années. Ouais, sinon, ouais. Bonne année d'avance à tout le monde. J'espère que vous passez un temps merveilleux en famille. Déjà, pourquoi
tu as regardé mon stream juste pour compléter une alerte. Ok. J'étais en train de regarder une vidéo YouTube. Et pendant la vidéo YouTube, je me suis dit, y a-t-il du monde qui stream? Ils sont sur Twitch en ce moment. Là, je regarde. Shaking and Miss comme. Oh. Là, je regarde. Là, je te vois en train de configurer un GIF. Comme. Oh. Après ça, je suis genre. Pendant que je te regardais, j'étais en train de faire ça de mon côté. C'est comme. Là, je le fais. Voilà. Là, en te regardant, j'ai dit, oh, je vais faire ça en même temps. Puis après ça, tu as fait. T'as pas marqué que j'étais là pendant une demi-heure. J'ai réussi ce que je voulais, j'en suis très fier. Le pire que. Toi, tu utilises OBS, moi, j'utilise Streamlab. Et étrangement. Genre, Goglu qui a déjà utilisé OBS et Streamlab, je pense. Puis il y a d'autres. Puis je connais quelqu'un, ben, Edmito, que lui utilisait aussi Streamlab. Puis plusieurs personnes en ligne. Ben, quand t'es focus, c'est sûr que tu me vois pas. Puis étrangement. Bonjour Norton. Étrangement. Il y a du monde qui dit ah Streamlab c'est beaucoup plus facile, ah ouais OBS c'est beaucoup plus facile, mais dire j'ai mon littéralement le premier mois que j'ai fait de stream, ok, le première fois que j'ai premier stream que j'ai fait, c'était un test sur Borderlands 3 avec un Twitch stream. Après ça, j'ai utilisé Streamlab. Puis il veut dire. Tu regardes comment ça marche. J'ai lu zéro tuto en ligne pour savoir comment ça marchait. Ok, j'ai 21 ans, je sais comment beaucoup de trucs marchent. Ça fait rien dire. Ne sois pas désolé, hein. Je pensais que t'avais le chat ouvert, mais non. Mais je t'ai aidé quand même pour trouver tes alert box, au moins. Je regarde comment ça marche, je dis, ah, okay, ça c'est ça. Puis, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai commencé sur Streamlab, il me dit, tiens, on te donne un cadeau. C'est pas le corona, mais... le cadeau, c'était... J'avais le choix entre trois thèmes préfaits. J'avais soit le thème style Cyberpunk, ou j'avais carrément le choix. Comment ça s'appelle ça? Genre ce style-là. Puis j'ai pris. Je me suis dit, ah, ok. J'ai dit un truc. Prochaine fois, tu crieras et merci d'ailleurs. Puis, parce que ça s'appelle Dimensional quelque chose. Puis, ce thème-là, en tant que tel. Ce thème-là, en tant que tel, faut taille Streamlab Primes pour l'utiliser. J'aurais voulu le changer, mais je peux pas. Donc, déjà là, c'est un bon avantage. Et... Puis ça venait déjà... Attends, c'est Geometric Madness, c'est ça. Il décrit juste là. Puis ça venait déjà de base avec plusieurs scènes d'avance. Ça venait avec le Starting Tune. Le live scene, l'intermission, la scène internet, non pas ça, le be right back, le ending soon. Ça venait avec déjà 4 pages, 4 trucs. Merde. Puis je me suis dit, ok, je vais faire un. Ok, je vais pogner live scene. Puis je vais mettre sa caméra. Puis pour. Puis je vais pogner un autre live scene RPG pour enlever la bannière qui est en haut. Au cas où s'il y a un texte qui est là. Puis le
total complet, pas de caméra. Puis il y a Among Us où est-ce que je suis carrément au milieu en bas. Je m'en suis servi une fois. Puis ça internet pour avoir mes pages internet. Puis ça m'a pris quoi? 2 jours? Mais genre pas 2 jours intensifs, genre. Ah, je regarde genre pendant 2 heures comment ça marche. Une journée, puis l'autre journée, puis comme ah, je vais racheter ci, je vais racheter ça. Moi, mon thème, c'est Jackie qui fait coucou. Puis disons que c'est assez simple d'utiliser les affaires, les logiciels de stream. Non, je sais pas pour. Je sais pas s'il y a vraiment une si grosse différence avec Streamlab ou OBS. J'ai littéralement l'interface. J'ai. Attends, on va aller voir ça là. Non, l'autre écran s'il vous plaît. Ok. Donc, on peut voir, ok. J'ai mon écran pour revoir la diffusion. J'ai mon écran ici. Ici plutôt. Pour voir mes mini-feeds. Donc, ici. Pour voir aussi qui me donne des abonnements, qui me donne des trucs, qui follow. J'ai mes 5 sont ici pour voir, pour changer rapidement. J'ai mes sources. Surtout pour interchanger mes pages, mes capteurs. Puis j'ai mon son. Bon, assez simple à vérifier. Donc pour moi, je trouve ça beaucoup facile d'utiliser ça qu'un autre logiciel, vu que je peux pas vraiment dire vu que j'ai pas utilisé. Je sais juste que j'ai commencé avec OBS et je restais avec OBS. Putain, je lis mes commentaires. C'est vrai que quand tu commences avec un truc, tu t'habitues au truc. On n'est pas du genre à changer. Que quand on est du genre à changer, ça prend une éternité. Quand il y a une éternité, c'est vraiment une éternité. Même mon meuble de linge, là, je l'ai depuis que je suis tout petit. Il est à moitié mort, mais je le garde. Il marche encore. Non, pas x6. Il a redémarré. Bref. Ça pour dire que c'est partagé, disons, pour les utilisateurs de Streamlab et OBS, même si étrangement Streamlab OBS, le truc que j'utilise, c'est comme c'est OBS, mais c'est Streamlab. Mais je pense que la seule différence, c'est qu'il y a certains types de programmation que tu peux seulement faire que par OBS, que tu peux pas faire sur Streamlab. Puis je pense surtout non, tu peux acheter une image et mettre du code. Tu peux faire ça? Oui, vu que tu as besoin de Streamlab, le site web, pour acheter des fonctionnalités sur OBS. Je sais pas pourquoi, il y a pas un qui est sorti. C'est des. Ouais, ben voilà. J'ai réfléchi et je vais mettre des commentaires Wizbot. Je vais mettre des commandes de Wizbot. Ouais, by the way, c'est quoi Wizbot?
Fait que comparé à Nightbot et Streamlab, pour qu'ils affichent des messages, t'as besoin de genre que quelqu'un écrive. Puis quand je suis arrivé dans ton stream, c'est comme. Il écrivait même pas, puis il y avait Wizbot qui écrivait. Alors j'étais comme surpris. Tu vois Nightbot, ben, je l'ai. Attends, gars. Hop, time. Il est là. Ah, c'est pareil. Pas tant pareil. Vu que Nightbot, tu peux pas dire affiche-moi un message à chaque 5 minutes. Vu que tu es obligé de d'avoir. T'es quand même obligé d'avoir quelqu'un qui écrit. Et ouais, qui s'est légèrement mieux. Légèrement. Pour moi, j'ai utilisé le bot que je connaissais, dans le bot de base. Après, Wizbot, c'est cher à configurer. Ouais. Surtout que moi, j'avais pris Nightbot. Parce que je pensais qu'il pouvait faire les notifications de Discord. Au moment que je me connectais sur, sur Twitch. Je vais peut-être le stream quand ça peut être drôle. Donc quand j'ai réalisé que... J'avais mis Mr. Meeseek au début sur Discord. Sauf que Godlu me dit « Ah non mais le pas ça va pas servir ». Fait que je voulais me servir de Meeseek pour deux trucs. Faire l'école de bonjour. Puis faire l'école de... Je pars en live. Parce que je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai un channel sur Discord qui s'appelle Stream Notification. Notification. Normalement, j'écrirais at everyone, je pars en live, venez me voir. Normalement, j'utiliserais pour ça. Sauf que considérant qu'on n'est pas beaucoup et je me plante un pieu parce que vu qu'on n'est pas beaucoup, j'ai l'impression que je vais déranger le monde pour dire hey, je pars en stream. C'est comme je suis peut-être trop bon samaritain. Comme pas envie de déranger le monde, genre il est comme minuit pour certains, il y a 2h du matin pour d'autres, dépendamment du moment. Puis comme, non, ça me tente pas vraiment de dire au monde que je stream, même si je le fais pas, puis vous êtes Itsu, puis toi, Shaki, vous êtes tous les deux là. Alors que j'ai deux convos Discord, ok? J'ai le convo Discord pour Twitch, puis j'ai le convo Discord pour avec mes amis. Les deux sont morts, mais faut... Lui de Twitch, il est maintenant plus en vie que lui de mes amis. Puis, j'arrêtais pas de caler à chaque fois que je partais en live. Venez me voir, je pars en stream pour dire « Ah, ils vont sûrement me regarder. » Moi, j'ai dit « Go stream Itsu. » Itsu ne stream pas. Et bref, genre... Je disais, let's go, je pars en stream, les boys. Venez me voir si vous voulez. Au début, il y avait Elminto qui venait. Parce que, ah, il voulait m'encourager et tout. Yes, nice. Sauf qu'il a arrêté au moment qui. Je cite. T'es rendu plus loin que moi dans Persona 4. Je regarde plus ton stream. J'ai fini Persona 4. Je suis même plus en train de jouer à Persona. Puis moi je dis, ah ok, de temps en temps il va venir m'encourager et tout. Non. Non, il y avait... Il y a mon modérateur qui des fois qui est là, sauf que... Il travaille à chaque fois que je stream.
Donc des fois, il est là avec, parce qu'il travaille à la maison des jeunes. Puis, pendant qu'il a le temps, des fois, parce qu'il stream sur Facebook. Avec la maison des jeunes. Puis, il me suis dit, oh, ok, on va être capable de faire quelque chose. Sur Internet, j'ai pas de modérateur. Pour l'instant, j'en ai pas de besoin, au moins. Mais ouais. Ça pour dire que mon autre chaîne, mon nom Discord, il servait principalement pour les notifications. Ben pour qu'on. Au début, on était une gang de 6. Ouais. Puis on jouait peut-être pas 6-5 peut-être. On était combien? 4, 5, 6? Bref, on était un certain nombre. Puis on jouait tout à Smite. Moi je me suis dit laisser faire la convo personnelle à plusieurs. À place d'avoir un channel, c'est juste une petite conversation. Je vais avec Modo LOL, non. Puis, principalement, il sert que pour. Ce Discord-là sert principalement que pour les mises à jour Smite. Des nouvelles sur Genshin Impact. Bot. J'ai un bot. Pour la musique. C'est ça. Je traîne pas mal, mais les jeux de combat, pourquoi pas en stream? Pour me faire péter la gueule devant une personne et un bot. Bruh. tu sais pas, peut-être que t'auras plus de chance que moi. Hein? Quel Discord? Un autre Discord. Il y a mon Discord. Logiquement, les deux, c'est les miens. Mais j'avais fait un Discord que je pensais que ça allait être lui qui va devenir mon Discord principal. Mais j'ai dit non. Je veux pas mélanger les personnes qui n'ont pas envie de me regarder avec les personnes qui me regardent. Bref, déjà un bot c'est bien. J'en ai deux puis ça me décourage. Le gramme Ymir. Ah, comme ça, tu nous considères comme des. Non. C'est pas ça, j'ai dit. Ce n'est pas ça, j'ai dit. Vous êtes deux. Et il y a deux bots. Tu t'es connais. T'es vu. On les voit dans le chat en ce moment. Peut-être pas sur mobile. Je vois Nightbot puis Streamlab. Hein? Ah ouais, ben oui. Ah oui, ben oui, ben oui. T'as vu comment il te constate, franchement, Streamlab. T'en fais pas, y a pas d'émotion. Moi qui ai nommé le nom du stream, je pense pas parler beaucoup.
Mais quand tu m'as dit que t'allais pas être là ce soir, je me suis dit ok, je vais pas parler beaucoup, il y aura que Itsu qui va être là. Même là, on aurait pu parler beaucoup, je dis pas qu'on n'aurait pas pu parler beaucoup. Mais je dis que j'aurais peut-être moins parlé. Mortia Highway. Bah du coup, je suis là. Ouais. Mais bref, Mortia, c'est où? C'est bon. Après, je peux partir. Bah, c'est toi qui vois, hein. Allez, ouste, pas rien. Donc, pensez, aujourd'hui, j'allais plus me contenter de me lamenter sur la vie. Tu peux partir me faire bouffer. Ah, tu peux. Mais t'es sur ton téléphone, donc tu pourrais partir avec moi. Ouais, non. Ouais non, c'est mieux comme ça. My turn. Sit. My turn. How pathetic. Non mais sérieux les gars, je dois quand même vous dire merci à vous deux d'être là. Parce que je veux quand même le dire. Juin, 28 juin. Combien de mois? On est 06, on est rendu en 12. Ça fait officiellement 12 mois que j'ai commencé. Puis ce dernier mois, ce mois de décembre et fin novembre, ça a été les. C'était déjà plus mouvementé. Ok, donc. Je sais pas si t'as ressenti la même affaire. J'avoue que toi, tu t'en foutais un peu, tu fais streamer pour streamer. Mais moi, je veux streamer pour divertir. Mais les 6 premiers mois, sincèrement, les 4 et demi premiers mois, c'était les moments les plus longs de ma vie. Mais j'aimais ça. Je me suis dit, ah, un jour, je vais être capable, je vais pas me décourager. En même temps, je suis en train de jouer à Dario non pas 1 et Persona. Bas de rien, ça se fera 50 euros. Déjà, mon équipement m'a coûté 50 $ pour le micro, 50 $ pour la caméra, 2700 $ pour l'ordi. Fuck, la caméra. Puis non, je te paye pas. Je te paye pas pour l'amitié, t'es fou, toi. Caméra, putain. Je suis sûr que si tu fais des tutos make-up, il y a moins que tu perces. Ok, aujourd'hui, on va apprendre à comment bien tondre sa barbe. Oui. Je pense pas qu'avec cette caméra-là, je suis capable de faire quelque chose, hein. Peux-tu montrer la caméra? Parce que quand je te dis une caméra à 2 balles, là, à 50 balles, c'est pas ce qu'on pense. Et c'est une petite caméra QQ. Genre. Donc c'est pas quelque chose qu'on veut d'habitude. Comment rassembler l'échec? Aujourd'hui, on va acheter un cosplay à 250 balles pour s'habiller en tant que Shiaki. Ah, mais merde! Je suis un homme. So, je vais vous apprendre à maigrir pendant... Pourquoi maigrir? Oui, parce que je suis gros.
Ah, caméra. Putain de caméra. Non. Par contre, j'ai hâte d'avoir mes vecteurs affiliés parce que j'ai hâte de mettre mes channel points. Mes channel points vont me faire souffrir, ok? J'ai dû réfléchir à ça. Squat, push-up. Que des trucs que j'aime pas. Je vais me faire un truc à manger vite. Ok. Non mais sérieux, genre, pour les challenge points là, je vais mettre genre 1000 points. Parce qu'en tactile, t'as 300 points quand tu follow. T'as 10 points à chaque 5 minutes. Puis tu peux à chaque 30 minutes, 10 minutes. Tu peux accepter 50 points. Soit en tant que tel, tu dois au moins être minimum là avec 3 heures. Pour me faire souffrir, sauf que j'ai le problème du. J'ai pas le setup. Pour démontrer que je fais des push-ups, etc. Vu que le setup, ben. Le but c'est que. Dans un futur proche, tu déplaces le divan. Où est-ce que je suis? Vu qu'à un moment donné, j'aurai une vraie porte. Le but, c'est que je déplace le divan pour où est-ce que je suis. Pour avoir ma nouvelle chaise. Et... à partir de là... Je sais pas si on va me voir en tant que tel. Parce que oui, je pourrais toujours prendre la caméra, la déplacer, sauf que... comme je viens de la montrer, la caméra... comment dire... C'est une caméra... Pas une caméra trip avec un pied. Une caméra qui se... Que tu plugues. Que tu t'attaches à un écran. Disons que le fil est aussi limité. Bref, si je me déplace là, je peux faire mes push-up tout, etc. Les redressements assis. Mais c'est pas le meilleur setup. We have nothing. My turn. Second form. Gale. Mais pour ça, évidemment, il faut que je sois affilié. Ça veut dire qu'il faut que je sois, que j'aille 50 followers. Puis j'ai une moyenne de 3. Au moins la moyenne de 3. Les gars, au moins m'aider là-dessus. Vu que vous êtes deux. Et que me semble que je me considère là-dedans. Ok, j'ai rien dit, je suis tout seul. Bref. En fait, là, je suis en train de féliciter qui s'il y a personne. Bref. Grâce à vous deux qui est censé être là. Pareil. À vous deux qui sont là. Ben, vous dire merci, vous montez la moyenne. Parce que je vais vous dire que. Il fut un temps que ma moyenne était de 1. Genre, 1. Pas 1.2. 1. Même j'étais à 0.9. Vu que ça prend 5 minutes à Twitch à réaliser que je me regarde. Je me redonne. J'ai mon Streamlab à ma gauche qui me regarde. Puis j'ai mon téléphone qui me regarde. Is our real power.
disons que des fois ça fait mal d'atteindre les zéro followers, mais pas les zéro followers, les un viewer. Fait que dit, ah, alors tu fais du contenu, il y a du monde qui te regarde. Sauf que, il y a du monde qui me dit, ah, je regarde tes streams, j'ai l'habitude. Moi, je suis comme, the fuck, non, t'es pas là. Genre, on me dit, genre, ouais, je passe souvent te regarder. Dis bonjour. Dis bonjour si tu filmes, si t'es là. Fais juste tes bonjour, ça va. Point. Il y a aussi le problème que Twitch a un petit problème de... Il faut que... pas sur mobile, mais sur... sur PC. Il faut que ta page Twitch soit la page active si tu utilises l'application. Si tu utilises le site web Twitch... Donc si tu utilises le site web Twitch, bah je sais pas comme. Je sais pas si ça marche vraiment comme ça, mais. Il allait super bien ce gars-là. Mais au moins sur mobile, tu peux juste laisser le truc ouvert. Il va être considéré comme actif. Qui était un problème que j'avais. Qu'on avait parce que. Il y a du monde qui voulait me regarder et il disait « Ouais, je te supporte tout. » Mais il faisait d'autres trucs en même temps. Logique. Mais ça reste que... sur les premiers mois, sincèrement, ça a été vraiment dur. Parce que, genre, mes amis, ils me disent, ah, on va te soutenir, mais ils n'étaient pas là. Eux qui me regardaient. J'ai encore oublié son nom. Comment il s'appelait déjà? Pas Zudo. Kazu. Kazuyu, ou est-ce qu'il est... il m'a regardé au début. Il m'a regardé au début, puis... vu que je jouais à Persona, ben, il était capable, on était capable de parler, puis etc. Sauf qu'il était seulement là que pour les vacances d'été. Puis quand il est revenu des vacances d'été, ben... Quand les vacances d'été ont terminé... Il a fait genre peace, je te revois plus. Si t'es là pis t'arrêtes de regarder la diffusion, bonjour. À la rue. Là, Kazuyu, c'était l'équivalent de toi et tout. Il était là, il parlait, on parlait beaucoup. Sauf que toi, moi, tu restes. Puis tu connais Daganoppa, tu connais Persona, tu connais. The Legend of Hero. Ou The Screen, en fait. Alors que lui, il était genre... Il était 8h30. Puis j'arrêtais à 9h. Il était genre... Ah, il se fait tard, je vais aller me coucher. C'est comme... Tu peux-tu rester une demi-heure? Puis bref. Au moins, il est resté follow. Je suis content, mais... Puis sinon, les autres follow que j'ai eu, c'était littéralement... j'ai eu quoi? T'as fallu regarder mes follow. J'ai littéralement eu... 3 gars anglais. Qui je ne connais pas,
qui sont juste follow, qui m'ont follow parce que je jouais à The Legend of Heroes. Puis c'est comme, ah, dude, tu es en train de jouer au jeu. Let's go. Ok. J'ai comme trois gars qui étaient dans ma technique d'informatique. C'est comme, ok, mais eux, ils sont pas restés. Ils ont juste dit, ah, yes, nice, on se connaît. Puis il y a trois personnes que je ne sais pas c'est qui. Genre, littéralement, avant que Shaki arrive, la dernière personne qui a follow, c'était Lorine 251. Elle n'a pas dit bonjour, elle a juste fait un follow. Puis quand elle a fait un follow, j'ai regardé dans mes clips, parce que ça, je regarde mon analyse. Quand j'ai regardé dans mes clips, ben dans mon analyse, il y avait un clip. Puis elle a fait un clip. Comme. Ok, t'as pas dit bonjour, t'as juste fait clip. Mais t'as follow. Comme, ok, je te connais pas. Puis il y a deux autres personnes qui ont juste fait follow. Littéralement, j'ai regardé. Disons que les 5 premiers mois, les 4 premiers mois plutôt, j'ai regardé vraiment tout le temps. À chaque fois que le chiffre montait à 2, j'ai regardé. Ah, c'est qui? Ah, c'est qui? Puis j'ai regardé. J'ai vu quelqu'un arriver. Il a follow. Il a jamais apparu dans mes. Dans les followers. Donc, c'est triste, disons. Mais sinon, depuis. Évidemment, depuis, il y a eu un moment donné que je me suis dit. Juste avant que tu arrives et tout, je me suis dit. Ok, c'est beau, j'arrête de regarder les spectateurs à chaque. Une demi-heure. Puis, comme, ok, je vis ma vie et tout. Même là, je suis pas du genre à dire. Ah, attends, je vais regarder qui est là. Puis, j'en reviens. Je suis juste. Non, je vis ma vie. Je discute de tout et de tout et de rien. Principalement Shaki en ce moment, mais. La page peut toujours tourner. Mais ouais. Donc au début. J'avoue que. Quand j'ai commencé dans Garden Nova 1, qui était littéralement le premier truc que j'ai fait à part mon test de Borderlands 3, je parlais de rien. Je joue au jeu, à un moment donné, il fait genre. J'ai une bulle en tête, comme. Ah ouais, nanana, avez-vous marqué ceci, cela? Puis comme il y avait personne, c'est comme. Je repartais dans le silence. Là, ok, j'essaye de faire comme tout bon streamer, qui veut dire parler de tout et de rien. Mais bon. Je me suis même acheté un micro. J'ai un micro sur mon casque. Sauf que vu que j'ai envie de parler fort. Parce que dernièrement, le micro de mon casque, j'ai oublié de descendre à moins 15 décibels. J'ai oublié de le monter à 30 décibels. Je me suis dit, ok, il va acheter une caméra. Parce qu'au début, j'avais pas de caméra. En plus. Puis à cause que j'avais pas de caméra, je me suis dit. Ouais, un gars qui parle pas. Qui fait jouer au jeu. Qui fait des blagues random. Au point que je.
qui a l'impression qu'il se fait le saut à chaque fois qu'il parle, vu qu'il parle tellement pas. Qui est un vrai truc en passant. Quand il n'y a pas de silence, j'ai tendance à avoir saut de moi-même. Puis là, je me suis acheté une caméra à 50 balles. Comme, ok, ça allait bien. Là, je me suis dit, je serai là. Je serai à la rue. Bref. Après ça, je me suis dit, ah, je vais m'acheter un micro. Genre, je me suis dit, ah, je vais acheter un micro. Jusqu'au moment où tu seras affilié. Non, mais reste après. Je pense qu'on a un décalage de beaucoup plus haut, mais bon. Ou pas. Après ça, je me suis dit. Je me suis acheté un micro. Je vais leur montrer encore. Ça, là. C'est une tablette de garde-manger. À cause que mon bureau n'est pas droit. Il est pas droit. C'est juste que. Comment on appelle ça le côté? La texture fait que. C'est censé être une agrappe. Le micro est censé être une agrappe. Il y a tout ça, puis ça. Puis voilà. Sauf que. Ça marchait pas. Donc on a pris ben ça. Puis je me suis dit, puis là, quand j'ai configuré le micro, je me suis dit, au moment que je suis en train de le configurer, je me suis dit, pourquoi j'ai acheté un micro? Alors, si je voudrais, là, je pourrais juste m'en débarrasser, puis utiliser le micro de mon casque. Pas que mon casque est brisé, non. Il va super bien. Juste que, pourquoi j'achète un micro? Parce que je suis toujours à côté, sur ma main gauche, quand je fais rien. Puis des fois, je fais ça, genre, je traverse de gauche à droite. Donc, quand il y a un micro, ça bloque. Puis là, après ça, je me dis, ah, ok, il va acheter un autre ça. Je ne les ai pas encore achetés. Après que tu seras affilié, tu n'auras plus besoin de moi, je serai dans l'ombre, c'est comme... Mon travail est maintenant terminé. Ma planète a besoin de moi. Au revoir. Non, t'inquiète pas, Itsu. Quand je vais être affilié, toi et Shaki, vous allez être les premiers à avoir un sub. Je vais me l'écrire pour pas oublier. Donner un. Un sub à Shiaki et à Itsu. Voilà. Maintenant que c'est écrit. Mais c'est vrai que. À un moment donné. Plus que personnes qui sont là, c'est vrai que il y a la probabilité que les personnes deviennent de plus en plus dans l'ombre. À moins que qu'on me mette un VIP, que tu sois modérateur, ou juste que je te connais, je connais ton nom, je sais qu'est-ce que t'as fait. Je suis pas mal sûr qu'il y a du monde sur Twitch que genre ils ont des followers qui sont là depuis le début. Puis à cause de ça, ils entretiennent une relation quand même très bonne entre followers et streamer,
Sauf que faut moins qu'il soit actif. Non. Si je t'oublie, c'est parce qu'il y a 10 personnes qui ont le même nom que toi. C'est pas mal une des seules raisons pourquoi je t'oublierais. Ou parce que t'as arrêté d'apparaître depuis 3 mois. Mais c'est un détail. Excusez, mais si Kazuyu il reviendrait, je dirais, t'es qui? Parce qu'à chaque fois que je veux nommer son nom, je suis déjà. T'es qui déjà Kazuyu? Plutôt, c'est qui le follower qui aime Persona? Non, dis-toi pas que tu vas être dans l'ombre. Quand j'aurai un cas, non, 1000 followers, là oui. Donc, 1000 followers. C'est pas demain que je vais les avoir. Non. Il n'y a pas des quests quelque part. North Cruisin' Highway. Where do you want to go? North Cruisin' Highway. South North. Il est pas bon. Faut que j'aille au sud. Non. À l'est. Mais sincèrement, faut pas oublier que moi, mon but principal, c'est vraiment de vouloir divertir le monde. Comme j'ai mis dans mon biographie, c'est juste. Je fais juste chiller. Je joue principalement des RPG. Puis c'est tout. Ok, chillé. Je te reste en parlant, mais. Mais disons que. Allez-vous que là, je suis. Plus concentré à trouver du contenu à pour parler vu que je connais le jeu. Mais si je connaîtrais pas le jeu, je serais déjà ok les gars, on se la ferme, je suis concentré sur le jeu. Mais non, parce que même si je connaîtrais pas le jeu, je suis désolé, mais un RPG je lis de gauche à droite en parallèle, donc j'écoute quasiment pas, puis la moitié du temps je me perds. Vu que les quêtes optionnelles, ça reste des quêtes optionnelles, on s'en fout. Les RPG c'est pas les jeux. Les RPG c'est pas les jeux avec les plus de sujets abordés. J'avoue. À part les quêtes, histoire, les persos. West. Ok. Ouais, les musiques, j'avoue. Ou les gros gorilles. surtout les gorilles qui te one-shot. Ça, on en parle beaucoup.
ça le gris. Là, je joue en hard, j'ai pas compliqué. Parle. Non. Mettons si on jouera un platformer, on peut parler du level design. Si on joue à un fighting games. Mettons si on jouerait à Smash, qu'on jouerait à Street Fighter, peu importe un autre fighting games en ligne. Tu peux toujours dire, ben, c'est des commentaires faciles. Moi je trouve. C'est comme, oh regarde mon combo, regarde-ci, ta. Je suis en train de me perdre. Puis je ok. Mais que je regarde du contenu Smash. Puis je te le dis. Oh boy, le contenu se répète. Surtout que. Faut quand même dire que oui, je joue principalement des RPG, etc. J'ai quand même. Attends, j'ai quoi, 125 jeux sur mon Steam? Puis le problème, c'est que je les ai comme. J'ai Smash Ultimate. J'ai pas l'abonnement online. Moi non, t'as plus online. Eh ben moi non plus, j'avais plus. Ça fait un mois. Puis, j'avais acheté l'abonnement en ligne pour jouer à Smash et jouer à Pokémon. J'ai joué à Pokémon une seule fois. J'ai jamais joué à Smash en ligne. Peut-être parce qu'à ce moment-là, j'avais commencé à dropper le jeu. Donc je suis sur des jeux de combo de plus en plus, de combo avec mon bon vieux stick arcade. Ouh, un stick arcade. Quand même. This could get tricky. Look sharp. Traditionnel. Wow. Non. Disons que j'ai déjà essayé de me rentrer dans Street Fighter 4. 4 que j'ai. Ouais. Schoolgirl. Blaze Blue ou Grim Blue? Blaze Blue. Guilty Gear. Que j'avais acheté un bundle Fighting Games. Puis, à part Schoolgirl. Pour le graphique, je suis pas du genre fighting games. Moi, si je joue à fighting games, c'est voilà. Si jamais un jour t'as Under Night and Bird X late sur PC, what? Attends, Blaze Blue Cross Tag Battle. Attends. Non, moi j'ai Blaze Blue Continuum Shift Extend, Guilty Gear X Accent Plus R, Schoolgirl, classique. Attends, faut que j'aille faire une recherche Google, je suis désolé. Under Night and. What the fuck, c'est quoi ce jeu? Ah, oh, ça me dit quelque chose. Ouais, ça me dit quelque chose. Je pense que j'ai déjà vu passer une fois. Mais disons que, ouais. Je pense que j'ai déjà joué à Mortal Kombat une fois avec. Une fois il y a longtemps. Puis je suis désolé, mais. Joue de même.
Ok, clairement, j'ai pas la manette aujourd'hui pour jouer à ce genre de jeu. On sent que je sais même pas comment tu joues avec ça. Mais ouais. Ok, disons que moi, mon cerveau, il est... Il est pas tant actif que ça. Donc si tu me dis... jeu à temps réel, je te réponds... Wow, minute. Je lag. Parce que j'ai déjà essayé... J'ai déjà essayé de me mettre à Call of Duty. Okay, c'est pas moi qui l'avais, mais... Mon ami d'enfance. J'ai déjà essayé... Battlefield. Non, j'ai déjà essayé les FPS en ligne, compétitifs. Il y en avait un que j'aimais bien, c'était comme... C'était pas Eve Online. C'est quoi déjà, c'est... Eve Online. FPS. Comment il s'appelait déjà? Il était sur PlayStation. Je pense qu'il s'appelait juste Eve. Bref, il y avait un jeu sur PlayStation que un FPS à la Call of Duty meilleur dans l'espace. Puis, je suis pas du genre à jouer à ce genre de jeu là, mais tous les matins avant d'aller à l'école, je faisais une partie, limite une parce que j'étais capable. Je faisais une partie puis je vivais ma vie. Puis j'aimais le jeu. Là, le jeu est fermé parce que les serveurs PS3 commencent à mourir. Même s'il est mort il y a depuis 3 ans, mais, ou 4 ans. Mais disons que si je me mettrais un jeu de thé aujourd'hui, mes réflexes sont pas là. Non, un jeu de combat qui demande encore plus de réflexion, c'est pas encore, non. Là, j'ai une cible là, puis j'ai un truc là. J'ai comme le... J'ai pas le syndrome du rage quitter. Mais... Je comprendrai toujours pas le fait que tu me tais dans le pied puis je meurs. C'est une balle incendiaire ou c'est quoi? Puis c'est fait que... Pourquoi est-ce que sur plusieurs jeux d'FPS, il y a un truc qui s'appelle des cheaters? Pourquoi ça existe? Ok, je comprends, dans un jeu classique RPG, tricher c'est correct. Un jeu de compétition, c'est comme... Non. Non, j'avais essayé. Steam Fortress, j'avais essayé. J'avais aimé ça, j'ai fait genre... Je pense que j'avais 200 heures dessus avant qu'on me hack mon premier compte Steam. J'avais fait un autre
100 heures de jeu avant que je perde mon mot de passe. Là, je joue plus parce que voilà, c'est répétitif pis c'est chiant. Mais disons que. Je sais pas. Dans Team Fortress, il y avait beaucoup de personnes qui trichaient. Il y avait plein de mécanismes qui étaient faciles à trafiquer. Là. Surtout avec le démo. Où est-ce que tu peux utiliser tes grenades et le soldier pour sauter sur une map spécifique pour un capture de flag. Pour être en hauteur puis dire. Puis carrément camper. Oui, j'ai déjà été un campeur. Je l'ai pas resté longtemps. Comme CS quoi. CS, j'avais essayé la version. Je sais pas pourquoi j'ai commencé par ça. J'avais essayé la version zombie. En premier. Qui était gratuit sur Steam. Je suis pas censé avoir quelqu'un ici. Mais oui, sur CS aussi il y a des tricheurs, mais. Donc à CS, je me suis dit. Pourquoi est-ce que je voudrais rentrer là-dedans? Considérant qu'à ce moment-là, genre, j'avais 12 ans. Quand j'ai commencé Steam. Quand j'ai commencé avec sur Steam. Moi j'ai mon abonnement 7 ans, oui. J'avais déjà 12 ans. Puis, je comprenais pas pourquoi est-ce que t'achetais un couteau à 250 balles. Je veux dire, c'est un couteau virtuel. Là. Encore aujourd'hui, le marché CSGO marche encore super bien. Étrangement. Mais disons que si je joue un FPS, je sais pas si je recommencerai là-dessus. Parce que si je recommence là-dessus, genre Call of Duty ou Battlefield, je sais pas si je serais capable de jouer. Vu que je joue à Apex en ce moment. C'est comme le seul jeu FPS que je joue en ce moment. Puis quand je dis en ce moment, c'est. La dernière fois que j'ai joué, c'était quoi, il y a 2 mois. Ouais. Parce qu'il y a 2 mois, ben, il y avait du monde. Il y avait mes 2 compagnons de jeu qui étaient là. Faut que j'aille où? Là-bas. Genre. Oui, que je déteste beaucoup les Battle Royale, mais étrangement, bah, Apex, c'est une autre histoire. Même un couteau en vrai, c'est 200$, c'est trop. Un couteau suisse. 10$. Ça vaut la peine. Heureux. Rebonjour, on parlait de. De beaucoup de trucs. J'ai jonglé. C'est bien, c'est bien. Il y a une différence entre 10 et 200$. Oui. Pour un couteau, genre, c'est comme. Ah, tu peux faire un trick shot avec ton couteau dans CSGO, c'est comme. Dude. C'est virtuel. Pourquoi est-ce que tu veux acheter. Ok, oui.
Je dis ça alors que je pense que j'ai utilisé entre 100 et 200$ sur Smite pour des skins. C'est qu'au moins ça, le skin, tu le vois. Quand tu l'as, tu peux l'utiliser n'importe quand. Ils ont des vraies tailles. Visuel carrément différent. Puis. Sur CSGO, je pensais m'en aller dessus sur un Eti Bag. Un classique. Puis, sur CSGO, c'est comme. Dude, yo, hey, j'ai gagné mon arme. Je l'ai acheté 450 balles. Oui, et. J'aime mieux avoir un perso en troisième personne avec un skin que je peux même ne pas commencer. Du coup, parler de quoi? On parlait de moi qui allait d'un FPS. Puis là, on parle de l'argent qu'on met dans les jeux vidéo pour des skins. Disons que ouais, sur Steam, mais pas sur Steam, sur Smite. Genre, ok, au moins tu te récompenses du jour. Donc t'as pas besoin d'acheter des trucs. Puis oui, sur Overwatch aussi, tu peux mettre beaucoup d'argent. Merci les lootbox. Mais disons que, ok, sur Overwatch. Vu que t'es pas à la troisième personne, t'as peu déçu. Je suis un petit peu déçu quand j'ai joué un skin à la troisième personne sur Overwatch. Oui, j'ai joué. Parce que, genre, comme, qu'est-ce que tu vois différent? Ton pistolet. Train. Puis. Comparé à Smite, ton personnage, tu le vois. Puis il y a certains dieux qui ont quand même un style complet, visuel, super beau. Un acteur plus ou moins désiré. Donc, t'es pas obligé de mettre. Moi, ce que j'aime dans les jeux, c'est la récompense du jeu. Où est-ce que ça te donne de l'argent in-games pour acheter des trucs in-games. Parce que si je dis pas de bêtises, Overwatch, tu peux qu'avoir des trucs si tu payes tes trucs. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc je peux pas trop en parler. Very well. Onward, of course. Let's move. Mais disons que, je sais pas. Parce que je sais que quand je dis j'ai mis 100 à 200$ sur Smite, c'était surtout à coût de 20. Pour acheter genre 2 skins, 3 skins. Et des box, beaucoup de box. Mais, je sais pas. Au moins, tu peux avoir des skins sans avoir à ouvrir des box. C'est quand même intéressant. Sauf que maintenant, aujourd'hui, si tu veux un skin, il faut que tu ailles le Battle Pass. Il faut que tu ailles le coffre. Il faut que tu ailles l'event. Oui, j'arrive de là. Ah, S. Pour rechanger le sujet, il est bientôt 9h. Gros changement de sujet. Let's get going. Je pense qu'on va finir la quest du gars, tuer le monstre, puis on va arrêter après.
Ouais. Ça pour dire que. Parce qu'au début, on parlait de l'RPG. Du fait que j'avais pas beaucoup de monde qui venait parce que j'avais pas beaucoup de discussions. Let's ride. Non, en fait, c'est ça. Pardon. On va parler. On a commencé par des. Qu'un RPG, t'as pas beaucoup de sujets à parler. Parce que tu t'en fous un peu du jeu, tu fais jouer. Après, t'as des pay to win. Ouais, j'avoue que pour les. Mettons, si tu joues à Hearthstone. Ah, ben ça, c'est un autre truc. C'est le premier truc qui me vient quand tu dis pay to win, c'est Hearthstone. C'est ça. Le plus grand des plaisirs de ton portefeuille. Ah, que ferait-il sans. Que je ferait-il sans le portefeuille? Moi, c'est non. Ion. J'ai jamais mis d'argent sur. Aucun pay to win. Seulement sur des skins. C'est devenu un petit. Attends. Google. Est-ce que ce soit un MMORPG? Ouais, c'est ok, c'est un mémoire RPG. Here I go. Ha! Of course. How about this? Oh, we should be safe now. Mais bref. Ça pour dire que la majorité des jeux que j'ai, c'est des RPG. Vu que j'ai pas le cerveau actif. C'est pour ça qu'on a commencé à parler de ça. Oh my god, qu'un sujet peut tellement aller loin quand tu y penses. Parce qu'on parlait de fighting game, c'est ça. Pourquoi est-ce que je me mets pas dans le fighting game que j'ai ça vaut là? Pour ça que je joue pas à des jeux actifs comme des FPS. Je suis pas assez autiste pour jouer à certains trucs. Mais je suis assez autiste pour jouer à Overwatch. Quand j'y jouais avec du monde. Onward!
You have my thanks. Let's move. Second form. Gale! Now's our chance. Use this. Let's do it! Bref. Je sais plus pourquoi on a commencé. Je sais pourquoi. Je sais comment on est arrivé à une grosse conversation, mais je ne me rappelle plus comment on a commencé la conversation. Loss was never an option. Coffre. Bon, on va battre ce boss là, on va faire le coffre qui est là. Je sais, c'est médium, ok. Pour dire que ouais. Je pense que je disais que les 4 premiers mois de stream étaient les plus longs. Il y avait carrément personne qui venait, il y a personne qui parlait, il y avait du monde qui parlait. Qui venait, qui ne parlait pas. Je suis en train de me répéter. Il y en a qui ont survécu. Mais bref. Bref. Je ne sais plus quoi parler. On parlera pas plus longtemps vu que dans 4, dans une 20 minutes on va arrêter. Au final j'ai bien acheté 4 versions de Street Fighter 4. C'est comme Street Fighter 4 Ultimate, Street Fighter 4 Special. Fighter 4, Super Street Fighter, Ultra Street Fighter. My god. Quand tu veux bien traire un jeu, c'est juste ça que t'as besoin de faire. J'ai acheté sur 3DS. Le 3DS. Ok. Que tu l'as vendu. Personne n'en veut, mais c'est un peu normal. Sur 3DS, je pense que personne veut quoi que ce soit.
well. Leave this to me. Die! Now's our chance. Got you. Unforgivable. Bon ben, ce boss-là est pas tant compliqué. Je dirais bien revends ton jeu au marché d'au jeu, mais... Ouais, ils pensent qu'ils vont t'ordonner 5... quoi, c'est... Même pas 5 balles pour le jeu. Surtout sur 3DS. Allez, meurs. Let's go! L'enthousiasme! Phil! Phil! Non! Non! Mais plus qu'à ce jeu! Putain! Je suis en colère parce que mon ami, il a GTFO. Quand j'ai proposé. Pardon. Il vient de se l'acheter. Deux, trois, le beau temps. La la li, la la l'air. Quand je vous les recommander. Au final, j'ai bien mis ma version de poche de Street Fighter 4. Pourquoi t'as frappé ton clavier? Parce que qui parle, dit. J'ai spammé mon clavier parce que j'avais encore demandé au gars, parce que quand GTFO, donc Get the Fuck Out, on l'a renommé de même. Il est sorti en bêta, donc il est encore en bêta en ce moment. Il y avait Markiplier qui jouait, etc. Je me suis dit, hey les gars, est-ce qu'on achète le jeu? Puis il a dit, super bon mon jeu. Là, il me dit, ah non, ça me tente pas. Puis c'est comme quoi, il y a 4-5 mois. Sur PC, j'en joue mieux à Street Fighter. Ok. Puis genre, là il me dit, ah ben viens lâcher le jeu. Je veux y jouer. Ça change rien, mais bon. Pourquoi c'est la première musique random que je prends? Oh my god.
En plus, il se souvient et pas que je l'ai recommandé. Tu joues du seul ou avec du monde. Parce que le problème avec ces gars-là, c'est qu'à chaque fois que j'ai envie de jouer un jeu en multi, ils sont toujours un peu en avant de moi. Genre, par autrement, j'avais envie de jouer avec du monde. Tout le monde l'a eu gratuitement, à part moi. Donc j'ai pas joué. Là, si je l'achèterais aujourd'hui, c'est comme, bah, ben, je suis tout seul. Là, il achète Get the fuck out. Fuck off. Pourquoi tu dis les joueurs PC, ils jouent mieux, ils jouent avec une manette, ça change rien. Ouais, mais sur PC, tu peux quand même acheter la... Pas ça. Le stick d'arcade, disons. Je suis dans deux conversations. Je suis censé faire mon outro. Mais je veux une preuve. Je veux une preuve. Audio. Alors on danse. Pas trop danser dans une chaise. Bref. Il n'y a pas l'air de trop m'écrire. Random. Du coup, tu stop. Oui, ben oui, du coup, je vais arrêter. Vu que ça fait 3 heures. Ça fait 3 heures et mon œil commence à avoir plus en plus mal. Je dois prendre un stop. Sinon j'ai mal, je vais infecter mon œil. So. De toute façon, il rentre quoi? Il rentre 2h du matin? 2h, 3h pour vous? Donc ouais. Puis moi je pense que j'ai quelqu'un. J'ai-tu quelqu'un? Non, j'ai pas personne. Est-ce que j'ai quelqu'un à regarder ce soir? Non. Il est 1h. Il est 13h, oui, 13h. 13h moins 12. Bref. On va arrêter là pour aujourd'hui. Bonne année d'avance, parce qu'on verra pas pour la bonne année. Puis je dis ça à tout le monde, pas seulement à vous deux. Ça pour tout le monde, ou c'est pour eux qui regardent la rediffusion, peu importe. 13h moins 10b, bonne année. Mais bref, bonne année. Puis la prochaine fois qu'on va se voir, que je vais partir en stream, ça va être. Je dirais lundi seulement, mais samedi, je sais pas. Vu que je sais pas si. Vendredi, c'est clair que. Peut-être que je vais être en famille sur Zoom ou sur. Sur Skype plutôt. Non, le 2, je sais pas. À moins que je fasse un. Qu'on rush d'Agadompa, Desper Girl le 2, 3, 4 et 5. Si on rush le 2, si on commence le 2, donc samedi, on va commencer à 1h de l'après-midi. Donc pour vous, il va être 7h du soir. Donc, ici, je suis capable de faire un. Je suis capable de toffer pendant 5h, 4h30 plutôt. On aura le temps de finir le chapitre 2. Puis, on pourra arriver dans le train. Où est-ce que Komoro, la personne principale, se fait chatouiller
sexuellement. Quelque chose du genre. Peut-être prenez une autre musique pour parler de ce sujet-là. voilà. Non, ça c'est trop peu, ça non. Voilà, on parle du jeu. Mais bref. Je pense qu'on, à place de continuer The Legend of Hero, on va continuer Taganopa, on va rush Taganopa. Mais rush lentement, évidemment. C'est ça. Donc on va se revoir samedi. Ah, attends, non, c'est vrai, attends, j'ai l'épicerie à faire. Ah, peut faire attends. Je peux partir faire l'épicerie vers 11h. Non, non, 1h correct, 1h correct. Si je lave pas à 1h, je vais lave à 2h, puis fini. Ouais, c'est ça. Donc c'est décidé. Samedi qui arrive, non, le 2, à 1h ou 2h, d'Arenopa. Another Desperate Girl. Donc, au final, saucisse. Exactement. Ah, arrête de m'écrire. Bref. D'ici là. Qui dit que non, c'est Philippe. Lui qui a reçu le jeu. De GTFO. Bref. D'ici là, soyez sages, reposez-vous bien. Ou pas. Hein, c'est vous qui décidez si vous allez dormir ou non. Non pas de rester 48 heures réveillé par contre. Mais ça. Non, soyez sages. On se revoit à la prochaine. Bye bye.